Toute l'eau qui tombe des cieux trouve son chemin vers l'océan. Les océans couvrent plus des deux tiers de la surface de la Terre. Aussi, une nation avec une longueur de côte de plus de 7000 km doit-elle veiller sur les mers. Lui, qui maîtrise les prodigieuses forces de la nature, laissera sans doute l'empreinte de ses pieds sur le sable du temps. Seule une marine de guerre puissante, indépendante et disposant des dernières technologies peut faire que la nation ait son mot à dire sur les eaux qui l'abordent. Et le vaste océan Indien est d'une grande importance stratégique et géopolitique. Est-ce que l'Inde, la plus grande nation du sous-continent sud-asiatique, relève le défi? Bienvenue à l'Indian Navy, l'aile maritime de notre système de défense. L'entrée de l'Inde dans le nouveau millénaire fut marquée par une activité débordante et l'inauguration du commandement naval occidental. Le destroyer équipé de missiles téléguidés INS Mumbai, dénommé ainsi pour honorer l'histoire maritime glorieuse de la ville, devint le dernier élément de l'armada de la marine indienne. Ce vaisseau de guerre de 6700 tonnes peut dépasser la vitesse de 13 nœuds. Le 22 janvier 2001 est un jour spécial pour une autre raison. L'INS Kirch avait aussi rejoint la flotte. C'était la première fois que deux bateaux étaient mis en service en même temps. La ville portuaire de Mumbai tient une place de choix méritée dans l'histoire des rapports de l'Inde avec la mer. Les Portugais arrivèrent ici au XVIe siècle et appelèrent l'endroit Bombahem, littéralement la bonne baie. Ils bâtirent un fort sur la côte est. Vinrent ensuite les Britanniques, sous le roi Charles II, qui acquirent les sept îles en dot et les louèrent à l'East India Company pour seulement 10 livres par an. Comprenant l'intérêt stratégique de Bombay, la compagnie la fortifia et en fit une base navale. Elle encouragea les marchands à en faire un centre de commerce. Une série de bassins à flots et de cales sèches, ainsi que l'établissement du Bombay Port Trust, transformèrent bientôt la côte. Aujourd'hui, la ville portuaire gère plus d'un tiers des échanges commerciaux de l'Inde. L'histoire maritime de l'Inde remonte à des milliers d'années, comme des images provenant d'anciens sceaux le révèlent. Hippalus le Grec découvrit les vents saisonniers de la mousson du sud-ouest, préparant le terrain au commerce par mer entre l'Inde et les nations helléniques. Les enseignements du Bouddha voyagèrent à travers le golfe du Bengale, à Java, Sumatra et plus loin vers l'est. Un traité remontant aussi loin que 600 ans après Jésus-Christ, intitulé Yukti Kalpataru, fournit des détails sur les tailles, les formes et l'utilisation des bateaux. Jusqu'au XIVe siècle, des bateaux indiens faisaient halte dans les ports s'égrenant de la mer Rouge aux côtes africaines. Les monarques européens envoyèrent des expéditions pour rechercher la riche terre de la soie, des épices et de l'ivoire. Venus en voyageurs, ils cherchèrent à coloniser l'Inde. Les navires de commerce furent les précurseurs des navires de guerre. Chhatrapati Shivaji Maharaj, le souverain marathe, fut parmi les premiers à sentir le danger que représentaient les puissances étrangères. Il nomma Kanji Angre en tant qu'officier commandant de la flotte pour repousser les envahisseurs. Les mouvements rapides des galères de la flotte marathe prirent souvent de court les lents navires de guerre étrangers. Plus loin au sud, quatre générations de Kunjalis firent payer un prix élevé aux colons aventuriers pour leur pillage. Mais c'était trop peu, trop tard. Ironiquement, le développement de la première force navale indienne régulière fut le fait de l'East India Company, lorsqu'elle forma la marine indienne en 1613.
Vivant sous les menaces venant de la mer depuis des centaines d'années, les forces navales de la région n'étaient pas à la hauteur de celles des envahisseurs. Le déménagement du siège de la compagnie de Surat à Bombay donna naissance à la marine de Bombay, qui combattit avec succès la résistance locale. Les Britanniques réussirent dans leur politique du diviser pour régner. L'Inde devint une colonie. Mais elle eut un côté positif aussi. Les Britanniques comprirent vite quel était le savoir-faire des indigènes et passèrent commande auprès des constructeurs de bateaux indiens, tels les Vadias. Plus de 300 des meilleurs bateaux du monde sortirent de leur chantier naval. Tels les bateaux, tels les hommes. En 1877, les marins indiens devinrent les marins de Sa Majesté, les premières forces navales officielles à servir la couronne britannique. En 1930, elles furent réorganisées et prirent le nom de Royal Indian Navy, RIN. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les marins démontrèrent leur esprit de combat. Au plus haut de la Seconde Guerre mondiale, la Royal Indian Navy comprenait 7 sloops, 4 frégates, 14 dragueurs de mines, 30 petites embarcations, un grand nombre de chaloupes à moteur et 25 000 personnes. Les marins de la RIM apparurent sur de nombreux théâtres d'opérations de la guerre. Quelques-uns de ces hommes courageux se virent reconnus pour leur bravoure. Mais l'appel pour l'indépendance saisit le cœur de tous les marins indiens. Des étincelles de révolte furent allumées par ces hommes lors de la démobilisation qui suivit la fin de la guerre, animés par la conviction que la résistance passive ne suffirait pas à mettre dehors les Britanniques. Le 18 février 1946, les marins du RIM défièrent le Raj lors de marches de protestation et des coups de feu furent tirés. On leur conseilla de se répartir sur 56 navires et 10 établissements. Pour les Britanniques, ce fut un signal. Il était temps de partir. Advint l'indépendance et le drapeau tricolore flotta fièrement sur les navires indiens. Après que l'Inde devint une république en janvier 1950, le préfixe royal fut abandonné et la moderne Indian Navy vint à l'existence. Mais il allait encore falloir attendre quelques années avant qu'un officier indien la prenne en charge. En avril 1954, le vice-amiral R.D. Kattari devint le premier indien chef d'état-major de la marine. Les années qui suivirent l'indépendance s'avérèrent cruciales pour le développement de la marine de guerre. Le gouvernement comprit la nécessité de moderniser les forces. Un grand nombre de navires de guerre britanniques célèbres furent incorporés dans l'Indian Navy. Le HMS Achille s'avança dans les eaux indiennes et fut renommé HMS Delhi, le premier destroyer à être incorporé dans l'Indian Navy indépendante. D'autres vinrent à sa suite, les classes Rajput et Godavari, portant fièrement des noms qui résonnent des bruits de tambour de l'histoire et des sons de clairons du courage. Leurs écussons révèlent leur maxime de courage. Des navires supplémentaires furent commandés et intégrés à la flotte. L'un après l'autre, ils se suivaient. Dans une atmosphère de grande attente et de jubilation, ils constituèrent bientôt le noyau de la moderne Indian Navy. Le 27 mai 1951, un jour de fierté. L'Indian Navy se vit accorder l'honneur de recevoir la couleur présidentielle des mains du docteur Rajendra Prasad. Étant la plus ancienne des trois armes, elle fut la première à recevoir cet honneur. Aucune marine ne peut devenir véritablement puissante si elle n'est indépendante. Répondant à l'urgence, les forces navales indiennes sont allées en se renforçant. Aujourd'hui, les chantiers navals de Mumbai, Calcutta, Goa et d'autres parties du pays travaillent tout le long de l'année à construire une grande variété de navires qui affronteront l'océan. De temps en temps, les navires rendent aussi visite aux chantiers navals lors de réparations, de complets réarmements. La sophistication s'est imposée
le martelage au burin a été remplacé par le grésillement des pinces coupantes. Le sifflement du pinceau a été accéléré par le jet du pistolet à peinture. Des laboratoires de qualité perfectionnent les instruments de précision. Sur d'autres chantiers, des techniciens vérifient l'arsenal et mettent une dernière touche à l'artillerie. À l'intérieur des cales sèches, les navires sont remis à neuf et remis à l'eau, plus forts et prêts au combat. La mise à niveau est un processus continuel en cette époque de haute technologie. Nos navires sont équipés des systèmes de détection électronique et de guerre les plus modernes. La conception indigène de sonars et d'appareils de contre-mesure électronique est la preuve de la maîtrise de l'Inde dans le domaine des hautes technologies. Pendant ces années, ce bond en avant de la sophistication a catapulté l'Inde parmi les plus grandes puissances maritimes. Un grand nombre de navires ont été ajoutés aux forces navales, différents en taille, en forme et en capacité, chacun spécialisé dans une tâche particulière. Ensemble, ils font de l'Indian Navy une force formidable. La dernière décennie s'est avérée décisive. Avec le renfort de navires ravitailleurs, la marine indienne a fait un grand pas. D'une marine d'eau peu profonde, elle est devenue une vraie marine de grand large. Le gigantesque INS Jyoti, qui a rejoint la flotte au tournant du siècle, a fait une formidable différence. La capacité de ravitaillement a été doublée. La force opérationnelle de la marine peut étendre ses opérations jusqu'à 50 jours et 17 000 miles. La mer est un environnement qui ne pardonne pas. La précision est la première qualité d'un navigateur. Amener deux mammouths de fer à se rapprocher et à naviguer de concert exige de grandes compétences. Il en est de même du maniement du bâton de pavillon de Beaupré et du transport via une corde. Passer d'un bateau à un autre en haute mer est une opération nécessaire pour transporter des hommes et du matériel. Cette opération devient critique en cas d'urgence. S'attendre à l'inattendu est la marque de celui qui est prêt au combat. Un exercice de guerre en mer conduit sur le porte-avions multirole INS Virat. Agile et acrobate, les ailes de la marine s'envolent. Capable d'intercepter les avions, navires et sous-marins ennemis. Les instruments de détection gardent un œil d'aigle sur les intrus. Les tirs de roquettes et les coups de feu servent d'avertissement. Si l'ennemi n'est pas découragé, les navires de guerre libèrent leurs armes mortelles. Les sous-marins étrangers trouvent refuge au fond de l'océan. Nos sonars identifient avec précision de telles menaces et déclenchent les torpilles. La nuit profonde n'est pas une gêne pour la précision de notre armement moderne. Jour après jour, l'armada indienne sillonne les océans, toujours prête. Ces machines de guerre complexes exige le meilleur des hommes qui les servent. L'équipage et le commandant sont l'incarnation de la vigilance. Chaque travail est spécialisé. Chaque navire est une centrale électrique. Quelques-uns produisent assez d'électricité pour alimenter une petite ville.
le feu est un risque important en mer, et l'équipage effectue régulièrement des exercices d'entraînement pour le combattre. Être en mer n'empêche pas de disposer d'un grand choix de nourriture. Et la cuisine est un endroit plein de monde. L'équipage attend impatiemment son repas. Bon repas leur permet de se remettre des efforts qu'exige leur service. Rester en forme est de toute première importance en mer. Un entraînement rigoureux a développé les capacités de ces hommes, sur mer ou sous l'eau. Ces hommes sont préparés à toute éventualité. Les officiers se tiennent au courant des derniers développements de leur profession. Des marins venant de pays voisins se joignent régulièrement aux forces. Une connaissance détaillée des courants océaniques et des voies maritimes est cruciale pour que ces navires sillonnent les mers en sécurité. Des études hydrographiques sont effectuées régulièrement dans l'océan Indien et des diagrammes précis publiés. Les hydrographes doivent surveiller soigneusement un grand nombre de données. Les Portugais furent les premiers à faire des cartes marines des eaux bordant l'Inde. L'East India Company britannique accorda une nouvelle importance à la cartographie marine et découvrit de nouvelles routes. Après l'indépendance, la section hydrographique de la marine fut transférée à Dehradun. Les travaux progressent vite. Des cartes et des diagrammes sont régulièrement publiés. Le National Hydrographic Office, NHO, possède maintenant 8 bateaux pour hydrographier les océans. La précision de ces relevés est parmi les meilleures du monde. Dès les années 50, la marine avait compris la nécessité d'étendre le champ de ses activités pour attirer les meilleurs éléments dans ses rangs. De cette manière, fut créée la composante aérienne de la marine. Aujourd'hui, tous les navires construits par l'Inde sont conçus pour accueillir un hélicoptère à bord. Les hélicoptères jouent un rôle vital pour les déplacements entre navires et de la terre vers la mer. Décollant du bâtiment porteur, les hélicoptères jouent un rôle crucial dans le cadre du transport et de la lutte anti-sous-marine. Les Sea Kings offrent un soutien logistique pour infiltrer des commandos. En 1961, l'INS Vikrant, le premier porte-avions de l'Inde, rejoignit la flotte. Il était une plateforme mobile pour lancer des assauts aériens. C'était un multiplicateur de force qui ajouta une nouvelle dimension à la force de frappe de la marine. Aujourd'hui, son successeur, le magnifique INS Virat, est l'épine dorsale de la marine indienne. Des avions de combat dernier cri donnent à la marine une puissance redoutable, lui permettant de nettoyer les cieux et de plonger dans l'océan. Les premiers sous-marins arrivèrent en Inde après un long voyage, venant d'Union soviétique. Aujourd'hui, nous construisons nous-mêmes ces baleines géantes des mers. Les dernières acquisitions peuvent lancer avec précision des missiles mortels. La marche de la marine vers la modernité est parvenue à une étape importante. Elle peut être légitimement fière d'être une force tridimensionnelle. Une force capable d'ériger une défense invincible et, si défiée, de répondre en lançant d'incessantes attaques. La marine indienne a prouvé sa valeur dans toutes les opérations maritimes depuis l'indépendance. La libération de Goa en 1961, l'opération Vijay commença au matin du 18 décembre. Dans une double attaque
conduite de main de maître. L'INS Bétois et l'INS Péas mirent hors d'état le croiseur portugais, ceci en l'espace de quelques minutes de tir furieux. Le dernier bastion du colonialisme disparut. Karachi, en 1971, lors d'une manœuvre parfaitement conçue, les navires d'attaque rapide lance-missiles indiens, agissant en étroite collaboration avec les destroyers, bombardèrent la ville portuaire deux fois en une semaine, détruisant le dépôt de munitions, écoulant un grand nombre de navires ennemis. Un coup décisif à la marine pakistanaise. Sur le front est, la marine indienne frappa encore, en coulant le sous-marin ennemi PNS Ghazi sur la côte Vishakhapatnam. Elle mit rapidement fin à la menace pesant sur la force opérationnelle indienne agissant dans le golfe du Bengale. L'INS Vikran manœuvra de façon à couper toute voie de retraite à l'ennemi. Les navires de guerre pakistanais étaient maintenant réduits à l'impuissance. Leur règne de terreur avait pris fin. En 1987, la marine déposa à la demande du gouvernement sri-lankais les bataillons des forces de maintien de la paix de l'armée indienne sur les côtes sri-lankaises, ce qui signifie que de multiples actions intervinrent. Le déchargement de l'approvisionnement, le débarquement de 200 000 hommes et l'interruption des lignes de revêtement des militants. Aux Maldives, en 1988, la composante aérienne de la marine indienne repéra un groupe de rebelles qui avait réalisé un coup d'État. Deux bâtiments de guerre indiens furent dépêchés sur les lieux pour une opération de secours. Une démonstration de force rapide conduisit les aventuriers à une reddition en douceur. Un des premiers rôles de la marine en temps de paix est la diplomatie maritime. À cette fin, la marine indienne a organisé en 2001 la Revue internationale de la flotte, International Fleet Review. Cet événement sans précédent, au tournant du nouveau millénaire, tient une place spéciale dans les annales de l'histoire maritime de l'Inde. Des nations, grandes et petites, ont envoyé leurs navires et manifesté leur amitié. Entre le 15 et le 20 février 2001, la marine a joué le rôle d'hôte de ce grand événement. 29 marines du monde ont répondu à cette invitation. Ce fut une rencontre mémorable entre marins. La présence internationale impressionnante fut une reconnaissance internationale de la place de l'Inde parmi les nations du monde et un hommage à la stature et à la sophistication de la marine indienne. Le dernier siècle a vu la conquête de l'espace. Ce siècle pourrait bien tourner ses espérances vers la mer. Shano Varuna. Puisse Varuna, le dieu des mers, nous être favorables.